J'ai fait un grand détour pour revenir à ce que j'aime profondément. C'est-à-dire de la musique à tendance country, avec des instruments qui sont de la famille country. Et je me dis, je sors de mon confort pour aller encore dans plus confortable. Jouer du violon, mon père chantait et s'accompagnait d'instruments acoustiques, le country music, folk music, le bluegrass, moi, j'ai grandi avec ça. Fait que là, je me retrouve dans mon élément le plus proche, le plus naturel, je dirais. L'album s'appelle Mestamishkino. Je l'ai fait en gang. C'est un album qu'on a enregistré au studio Makusham à Malutenam. Des musiciens avec qui je travaille, je les ai carrément intégrés dans le processus de création. C'est des artistes, des amis, des musiciens avec qui je voyage, avec qui je développe une espèce de d'échange et une fraternité là-dedans. Et on s'échange des sons, on s'échange des rythmes. Et à partir de là, il y a un mode de création. Et on se rencontre. Pour celui-là, pour Mestamishkino, on s'est rencontrés dans un endroit, les musiciens ensemble, puis on a jammé. Régent Bouchard, c'est quelqu'un avec qui je voyage depuis juste après Cashton. Donc, c'est quelqu'un qui me connaît, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un qui peut faire toutes sortes de musique, en fait, c'est notre guide. Et il y a aussi André Lachance, que j'ai connu sur la tournée de Katak. André Lachance qui joue de la guitare acoustique, qui joue de la guitare dobro, puis qui, c'est quelqu'un qui est très mélodique. Et à travers André Lachance, j'ai connu Rachel Doré Morin, qui joue du violon. Une jeune fille qui a plein de talent, qui a plein d'élégance dans son jeu, qui peut faire du country, qui peut faire du classique. On est devenu un groupe. Mestamishkino, c'est la grande route pour nous. Et la grande route, c'est la route 138. J'ai beaucoup de vécu sur cette route-là. Et partout le long de la route, il y a des communautés autochtones que je vais visiter souvent. Donc, de parler de la grande route de cette manière-là, pour moi, ça englobe tout le projet. De faire de la musique et d'être un artiste engagé, pour moi, c'est des thèmes qui reviennent souvent. C'est quand je parle quand je chante l'itinérance, quand je chante Chininou, il y a toujours un aspect, je dirais, de faire connaître et de partager une volonté d'appartenir à un groupe. Il te plaît.
C'est une chanson qui est origine du lac Saint-Jean, qui a été composée par un auteur-compositeur Innu, Acid Blacksmith. C'est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est une chanson qui est très country. Mais en fait, le texte parle de comment je dirais, d'une volonté de trouver sa route. Encore une fois, il y a le thème de la route dans cette chanson-là, puis ça s'adresse à la nation et nous, en fait. Il y a toujours un niveau d'engagement dans les textes que je chante. Il y a toujours un côté... ça peut être dénonciateur, ça peut être revendicateur, ça peut juste être un constat, mais il y a toujours cet esprit-là dans la musique que je fais. Puis dans ce projet-là actuel, il y a quelques chansons qui traitent justement de soutenir et... Comment ça va encourager des gens? Tu n'es non, tu gâtes tout, tu mets ta main, tu connais, tu mets ta main, tu connais. Tiamtiwe, c'est une chanson qui parle d'un itinérant, qui parle de l'itinérance en fait. Parce que je viens souvent à Montréal, je vois beaucoup d'Autochtones dans les rues. Il y en a que je connais parce qu'ils viennent de par chez nous et que je connais leurs parents. Il y a une des mères d'un de ces gars-là qui nous dit, dis-lui qu'il serait temps qu'il revienne. Puis, ça m'a inspiré une chanson qui s'appelle « Tiamtiwe ». Yeah. 3, 4. C'est du monde qui m'inspire, parce que je sais que ces jeunes autochtones-là, ils sont souvent attendus. Leurs parents attendent leur retour à la maison. Donc pour moi, ça m'inspire. Puis dans la chanson « Tiamtiwe », je dis « Regarde, il serait peut-être temps que tu retournes à la maison, parce que là-bas, il y a ta place, là-bas, il y a ta famille, il y a une vie pour toi dans ta communauté. » Moi, c'est comme ça que j'interprète leur situation. Non, non, non.
voir maintenant. Plus qu'un logement, hey, hey. Une chanson qui appelle à une recherche. Ok? Nan, toi, maintenant, c'est. On est en marche pour trouver ou retrouver l'esprit de nos ancêtres. Il y a une espèce de... C'est très spirituel parce que, bon, c'est un rite de Makusham, de danse traditionnelle. C'est un groupe qui font la démarche d'aller à la rencontre de leur ancêtre, de l'histoire de leur ancêtre. Puis bon, ben, je dis de leur ancêtre, mais finalement, je parle de moi, là. C'est ma démarche à moi, ma quête. On est aussi à la recherche des sentiers que seuls nos ancêtres connaissaient. Donc, il y a encore là, il y a un mouvement, c'est un, je dirais, une démarche de nomade. Il y a une quête là-dedans, puis bon, j'invite tout le monde à venir se joindre à moi, puis faire cette quête-là, aller à la recherche de l'histoire de nos ancêtres, aller à la recherche de leur démarche pour leur survie, raconter, entendre l'histoire de nos origines. Il y a toute cette intention-là dans Nandwap Manan. J'aime Mshtameshkno parce que, bon, ça traite aussi de mes déplacements, ça traite de mouvement. Et pour moi, le mouvement, c'est important. Parce que c'est là que moi je trouve mon équilibre, en mouvement. C'est comme dans la chanson Mshtameshkno, c'est assez simple quand même. Sur une scène. On a vécu des beaux moments qu'on essaye de transmettre sur l'album. On a beaucoup de plaisir à avoir, puis à partager aussi avec les gens qui viennent nous voir.